Le vendredi 3 décembre 2010, à 18h, dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville d'Armentières, a débuté un défi aviron, organisé par la section aviron du club Léo Lagrange d'Armentières. La manifestation, c'est un défi aviron, 24 heures sur ergomètre. Donc l'ergomètre, c'est une machine à ramer, donc, qui représente le mouvement de l'aviron, mais on rame en salle et au sol. Et donc en fait, l'objectif, c'est de faire tourner la roue de l'ergomètre pendant 24 heures non-stop. Donc il y a pas mal de personnes qui se sont regroupées par équipe. Donc j'ai des sportifs, donc les rameurs du club d'Armentières bien évidemment, des rameurs du club de Bourdin. Ensuite j'ai des sportifs, des boxeurs, boxe thaï, boxe française, des instituteurs, les élus de la ville d'Armentières aussi également qui se sont mobilisés. Pour rendre ces machines un peu plus attractives, on utilise un logiciel également qui retransmet les mêmes conditions que sur un bassin de compétition. Donc en fait, on a les courses qui sont retransmises sur un écran géant avec des lignes d'eau et l'ergomètre est représenté par un petit bateau et on suit son évolution au fil des kilomètres réalisés. L'an dernier, on a établi un record de 318 960 km. Cette année, c'est record battu car le compteur affichait 322 453 km.